Hop, et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Space Marine 2. Hop là, c'est parti. Alors on avait fait les trois premières missions. Il y avait le docteur, je sais plus quoi, qui était dead by daylight. Et après on était allé chercher des informations sur où se trouvait son disciple. Et sur le projet Aurora, je crois que ça s'appelait. Et là, je crois qu'on va pas, on part chercher le petit disciple. Mami. Assemble. Hello. Moyens lose. Zone d'atterrissage en approche. Okay. Le temple est situé sous le dôme couvrant la ville. On va devoir atterrir à l'extérieur et nous approcher de... Nous sommes touchés. Oh non. Dérouillez l'armure. Oh non. Hop les... Lance of Jove, au rapport. Dégâts mineurs. Équipe technique en approche. Pourra-t-on compter sur vous pour l'extraction? Oui, monseigneur. Nous serons là. Très bien, mon frère. L'empereur nous protège. Dépêchons-nous. Nous avons un long chemin à parcourir. Que l'empereur nous protège. On n'a plus les touches. Cible détruite. Je déploie. Merde. Les touches. Merde. La cible X. Ouais, est-ce que je teste pas de jouer à la manette? Parade C. Chef, avez-vous déjà affronté un autre homme? Oui, un adversaire coriace. Pour l'empereur! Restez
Ça dégage. Près du pont, on se charge du neurotrope. Très bien. Nous allons les venger, mon frère. Faites attention. T'inquiète, au pied. Quel est notre plan? Un assaut direct sur la ligne arrière. Quoi, c'est tout? Vous doutez de nos capacités, mon frère? Non, chef. Puissent-ils s'étouffer dans leur propre sang? Rechargement en cours. C'est cool lui là. Ils ne passeront pas. On va la reprendre. Hop là, ma bonne idée, pétonzonneuse. Est-ce que les autres? Kairon, comment connaissez-vous Varelus? Nous avons servi ensemble dans la 9e. Je lui dois la vie. Comment ça? Nous avons défendu une forteresse contre un assaut des orques. Un boss de guerre a pris le dessus sur moi et a mis sa foreuse sur ma tête. Varelus est intervenu et lui a coupé le bras. Puis il s'est fait de massacrer. Okay. Eh bâtard! Lictor neutralisé. Chargement des munitions. Regardez ce qu'il y a là quand même. J'aurais bien aimé des grenades quand même. Dumbo! Sur Graia. Rien de bon. Et plus précisément, je préférerais me concentrer sur notre mission. Vous dissimulez des informations relatives à la mission en question. Vous vous oubliez, sergent. Vous êtes impulsif. Vous vous intéressez à des dossiers classés et vous ne nous dites rien. Gadriel, nous avons le droit de savoir qui nous commande. Cette conversation est terminée. Les
Position sécurisée. Chargement. Aurelius, préparez vos hommes. Vous êtes passé ? Nous sommes sur le point d'éliminer le neurotrope. Parfait. Faites-le souffrir. Let's go. Un petit pas. Ravitaillement en cours. Recharge. Je fume. Ça a cassé les couilles. Je dois m'occuper d'eux en même temps là. Ah, c'est chiant! C'est chiant! Putain! Oh, je déteste ça! Comment je suis ? Ça va mieux. La pute, fille de pute. Rechargement. Affronte la colère de l'empereur. Lance une grenade fat. Ça crève! Le neurotrope est mort. La victoire nous appartient, mes frères. Barrelus, ici Titus. Vos hommes peuvent prendre le pont. Par le Primarque. Je ne pensais pas vous entendre à nouveau un jour. Joindrez-vous à l'attaque ?
devons nous rendre au dôme. Bonne route, mes frères. Hands of Jove, nous rendons au pont. Au rapport. Les dégâts sont pires que ce que je pensais. Les technoprêtres y travaillent. Tenez-moi au courant. Mes frères, continuons. Les Cadiens sont en train de repousser les tyrannides. C'est quoi toutes ces nos sont plus un peu moins équitables. Infâme créature. Pas le temps de se réjouir. Nous devons continuer. Mais ta mère la pute, vraiment, ta mère la pute. C'est une dinguerie. Genre que j'ai pas pu l'avoir avant. Et comment ils sont autant, frère ? Putain. À quelle distance se trouve l'Euse ? Nous sommes encore loin du dôme. Alors faisons vite. Je vous emmène faire un tour. Sergent, content de vous voir. Les Cadiens ont pris le contrôle du pont. Besoin d'un coup de main, peut-être ? C'est pas de refus. Allez, montez. Le temple est par là. Lieutenant, les Cadiens demandent des renforts. Allez-y. Merci, mon frère. Des Ultramarines! Est-ce que les ennemis ont infiltré le dôme ? Les moines ultramarines. Non, monseigneur. Qu'en est-il du temple de Tassehan ? Le dôme a été évacué il y a plusieurs jours. Rejoignez le bataillon principal. Nous avons l'ordre de rester ici. Qui vous l'a donné ? Le capitaine Fairborn. On doit tenir cette position jusqu'à nouvel ordre. Le dôme est vide, alors rompez. Mais, seigneur... Je vous ai donné un ordre. Pardonnez-moi, une erreur de communication sans doute. Le capitaine a insisté... Ce sont des déserteurs. Non, non, non. Nos ordres sont clairs. Contactez votre capitaine. Si vous êtes des déserteurs, je vous exécuterai moi-même. Capitaine Fairborn, vous me recevez ? Capitaine Fairborn, répondez. Une embuscade. Oh non, casque rouge, il s'est fait fumer. Tuez-les.
Wesh. On va se battre contre ça là. Brûlé en enfer. Hérétiques à Starfest. Les traîtres des serviteurs. Là. Vous verrez pour vos actes. J'ai l'impression qu'ils sont plus efficaces qu'avant les alliés là. Oh putain, c'est ce truc de merde. Leuze ! C'est un portail. Ah wow ! Je sais pas ce qu'il faut faire là. Plus. Il m'en faut plus.
l'arc du grand ennemi. Détruisez-le. C'est tout, putain, mais... Artefact détruit. Regardez, les champs de force disparaissent. Kairon, prenez la sortie. Mon frère, par les portes de Hera, calmez-vous. Je ne connaîtrai pas le repos tant que tous les cadavres des hérétiques ne seront pas à mes pieds. Oh, ma boule, lui. Il y aura ma boule, hein. Ça dégage. Il est où le deuxième là? Oh merde. On a nettoyé ce côté. Concentrez vos tirs sur l'étage inférieur. Il est plus tous en train de couler, hein. Il est pas aussi fort quand il est avec moi le bâtard. Hop, une petite grenade. Hop là. Ça leur fera pas de mal. Pourquoi il me tire dessus sur moi là? Est-ce que je peux... Comment je peux pas le rejoindre là? Sergent, contrôlez le périmètre. Oui, mon frère. Vous voulez bien m'expliquer? Dois-je justifier ma haine? Vous devez justifier votre imprudence. Les traîtres ont une dette envers moi. Et vous êtes prêt à y laisser la vie? La mort est mon devoir. Votre devoir est de servir l'empereur. Vous mourrez quand et où il l'aura décidé, pas à cause d'une simple vendetta personnelle. Où il l'aura décidé. Je me fais bien comprendre. Lieutenant, vous devriez venir voir. C'est un crack, Kéron, n'oublie pas. Parce quoi ici encore? Luz doit être là-dedans. Ils utilisent une sorte de champ. Les hôtels, ils ressemblent à celui qu'on a déjà vu. Ils doivent générer le bouclier. Détruisez-les, puis éradiquez ces abominations de la face de ce monde.
Allez, c'est parti. Je crois que nous avons découvert les motivations des renégats. Peut-être. Ils ne chercheraient pas à arrêter Aurora. Vous comprendrez bientôt qu'avec les hérétiques, les apparences sont toujours trompeuses. Faudrait faire un truc que j'ai. Bon, ouais, faisons, je trouve pas ça fou. Oh, peut-être que j'aurais peut-être dû. On prend dessus, il faut dessus, hein. Bleu. Fume. Comment ça? Mon chien avec ses boucliers, eux là. Voilà. Vous disiez à Akiran que les mécanicus devaient être trouvés. Pourquoi? L'artefact mentionné dans les dossiers classifiés a peut-être Assemble. Oh, j'aurais pu utiliser une arme en rien. Il est extrêmement puissant. Il pense pouvoir le contrôler. Et vous allez leur livrer l'Euse pour qu'ils puissent continuer? Tels sont les ordres. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, putain, oh. J'aurais pu voir le péter à tout moment. Un peu de la merde, ça. Ils tentent de forcer les portes. Ce n'est pas de la simple sorcellerie. Regardez, l'hôtel. Il y a des grenades contre les murs, les bâtards. Ah, oh, je les déteste ces trucs-là. Ils veulent fumer. Ah, parfait, il s'est approché au meilleur moment. Pas de munitions là, ça me saoule. Ah,
On va tenir la position. Tactique ouais. Spéciale, prête. Rechargement en cours. Les mots aussi creux que vos frères tombés au combat. Ou au moins, dans la cité de changement et brisé. Il comprend rien ce qui se passe. Alors que j'aurais pu le faire dès le début, quoi. Non mais... Lance of Jove, extraction imminente. Affirmatif. Au nom de l'Empereur, ouvrez les portes! Let's go! Je vous dois la vie. Venez avec nous. Où ça? À la barge de bataille. Entendu, mais il faut tout d'abord que je parle à l'archimagos Nozick. Il est mort. Mort? Vous devez le remplacer. Je... Leuz. Il n'a pas l'air rien bleu boulu. Il n'a pas l'air très content de cette nouvelle. C'est dangereux. J'ai passé ma vie à l'étudier. Je vous assure qu'elle est inoffensive, entre de bonnes mains. Quelle arrogance. Arrogance? Pourquoi les Mechanicus se mêlent de ce qu'ils ignorent? Nous suivons la volonté de l'Omni-Messie. J'écoute. Titus, faites votre rapport au capitaine Akeran dès votre arrivée. Bien compris. Titus? Un capitaine nommé Titus a été tué sur le mont de Forge de Graia il y a plus d'un siècle. Il tenait la source d'énergie entre ses mains. Et même un Astartes n'aurait pas pu survivre à une telle puissance. Et lui, Titus. Suivez-moi. Oh.
là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire après ? Eh bien, il a mis du temps pour charger, là. Oh. Pêche-toi, là. Pêche-toi. Nous devons rendre compte au capitaine Akeran. Comme un des effets de promettre immédiatement. Capitaine. Entre vous et l'Euse. Sans intérêt. Je ne suis pas d'accord. C'est votre droit. Mon frère, nous voulons seulement aider. Aider. Vous avez failli faire échouer la mission. Et maintenant vous parlez d'aider. Y'a pas de tort, ce coup. Alors, qui va nous dire encore le vieux? Seigneur, Hereticus Astartes. Ils investissent toutes les villes russes sur Avarax. Nous sommes déjà débordés par les tyrannides. Les traîtres nous prennent de court. Les Adeptus Mechanicus disent qu'Aurora est prête, que l'arme va fonctionner. Chef, je comprends vos craintes, Titus, mais nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'on peut au moins avertir Khalgar du danger ? Impossible. Le relais astropathique sur Avarax est entièrement encerclé. Toutes nos tentatives pour percer les lignes des tyrannides ont échoué. On peut transmettre un Vox ? Non, il y a une zone blanche autour du relais. Nos communications Vox se sont bloquées. Alors nous devons entrer. L'Empereur m'en soit témoin, j'ai essayé. Maintenant les tyrannides attaquent nos défenses. On se retire à la forteresse. C'est là qu'on livrera notre dernière bataille. Projection du champ de bataille. Zoom en C3. Où es-tu ? Là, le tyran des ruches. On n'a pas reçu de rapport. Il est là. En le tuant, on rompt la connexion synaptique. Il décamperait comme des rats. Un tyran des ruches. Adversaire de taille. Et si vous vous trompez, s'il n'est pas là, je ne peux pas envoyer des hommes sur une intuition. Confiez-moi deux escouades. Deux escouades ? On doit tuer le tyran des ruches, trouver le brouilleur et délivrer le message jusqu'au relais. Six hommes. C'est tout ce que je peux faire. Je n'aurai pas mieux. Merci. L'Empereur nous protège. Titus. J'écoute. Venez me voir sur le pont d'équipage. Réussi à enrichir les générateurs de champs de Keller et les réacteurs à plasma. Le but. Dumbo. Si le chapelain souhaite vous voir à cause de mes transgressions, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je n'ai fait aucun rapport. Je dois encore décider si vous méritez une pénitence formelle. L'ombre de la cité ruche. Hereticus s'est fait surprendre par un Astartes ou un peu. On a tué les miens. Titus, le capitaine a placé tous ses espoirs sur vous et cette mission. Si jamais vous atteignez le relais, votre message au seigneur Khalgar peut déterminer le cours de cette guerre. Choisissez vos mots avec soin. Vous doutez de mes intentions ? Ce sont vos actions
que je jugerai. Inutile de vous rappeler les conséquences dont vous avez eu à souffrir la dernière fois. Si vous ne pouvez pas vous fier à la volonté du Primarque, alors vous n'êtes pas digne de votre devoir. Il semble que je ne sois pas le seul sur ce vaisseau à avoir des doutes sur vos intentions. C'est la responsabilité du chapelain de veiller à ce que le chapitre reste pur, pas la vôtre. Votre comportement instable n'est un mystère pour personne. Et je constate maintenant que vous avez des antécédents. Je m'acquitte de mon devoir, tout comme je l'ai fait par le passé, en protégeant un système de la ruine. Salle de l'armurerie là. Le voilà. Lieutenant, Galéo et moi examinions justement votre récent diagnostic. Galéo, je désapprouve de telles intrusions. Moi de même. Mais il y a des questions qui ne peuvent rester en suspens. Je ne cherche que des réponses. Votre survie est un profond mystère qui doit être résolu. Une curiosité si débridée ne mène qu'à la ruine. C'est bien là où vous faites erreur. La ruine nous entoure. Mais je vais bientôt partir pour l'installation Aurora sur Temerium. Et là, je fermerai définitivement tous les portails menant à la ruine. Vous verrez. C'est ça. Et lieutenant, l'escouade est prête. 6 ans au plus. Lieutenant, nous sommes sous vos ordres. Le relais astropathique sur Abarax est pris d'assaut. S'il tombe, nos espoirs de renfort tomberont avec. Nous allons exécuter une opération en 3 points. Pour briser le commandement Xenos, rétablir le Vox et protéger le relais. Nous ne vous décevrons pas. Tant mieux, personne ne peut décevoir aujourd'hui. Préparez-vous au déploiement. Je vous donnerai les détails de la mission pendant la descente. Zone de largage en approche. Atterrissage imminent. Lieutenant, nous aurions dû combattre le tyran des ruches. Thalassa va s'en sortir. Ils n'ont que 3 hommes. On devrait être avec eux au lieu de jouer les coursiers. Le message doit être transmis. Et quel message exactement ? Parlez sans détour, mon frère. J'ai lu les archives, mon frère. Vous étiez capitaine de la deuxième compagnie.
et vous avez disparu il y a plus d'un siècle. Je servais dans la Death Watch. Il y aurait des registres. Pas pour un bouclier noir. Un bouclier noir? Vous renieriez votre allégeance au chapitre? Je mourrais pour ces couleurs. Alors pourquoi? On m'a accusé. Telle a été ma pénitence. De quoi vous a-t-on accusé? De corruption. Atterrissage imminent. En avant! Équipe Delta, test box. Ici Veridian, toujours à bord de notre aéronef. Thalassa est sur place, et il y aura bientôt un tyran de moins. Bien reçu. En route vers le relais. Maintenez les communications box. Damoclès terminé. Le relais astropathique se trouve à 6 km d'ici. Attendez-vous à une forte présence de tyrannides. En est-il du grand ennemi? Quelques signaux sporadiques, mais ils sont là. Entrez dans le trou noir, Vox, Damoclès. Compris. Damoclès terminé. Dumbo. Ne vous inquiétez pas pour moi, lieutenant. Si vous me refaites un coup pareil, je vous envoie devant le maître du guet. Je comprends. Mais pourquoi ne pas nous avoir parlé plus tôt de votre pénitence? Cela ne vous regardait pas. Et maintenant? À force de soupçons et de manipulations, vous avez réussi à vous en mêler. Voilà qui devrait servir. Ouvrez les portes. Elles sont coincées, Seigneur. Endommagées depuis la dernière attaque. Écartez-vous. Verrouillez les portes derrière nous. Très bien, monseigneur. Ferme des sports. Attaquez. Let's go. Oh, l'arme de zinzin. C'était pas le bon. Merci mon frère. Ah putain de merde. Dégage. Le rôdeur est mort. Cible détruite.
sur votre specs. Nous allons devoir déblayer tout ça. Ah, ok. Le fume. Tactique spéciale, prête. Non, il n'y a même pas de munitions, quoi. La porte est hors service. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, mais cela prendrait beaucoup de temps. Dans ce cas, nous devons rétablir le courant. Courant rétabli. Ouvrez la porte.
Morgan. Y'a pas un truc de... Faut attendre 10 secondes que... 30 secondes que... Cette histoire cache quelque chose, j'en suis certain. Peu importe leurs objectifs, ils mourront de ma main. Voilà les traits tués, les fils. Il chie le sniper là. Hop là, je crève le bâtard. Au bout du couloir. Moi, je suis con. Rechargement. Assemble. Voilà, il va y avoir un gros gros monstre là. Ah bah non. Nous devrions aller rejoindre le bataillon principal. Titus au Resilient. Demande tourelle de largage Hammerfall Gamma à ma position sur le champ. Vous voulez sauter ? Demande confirmée. Tenez-vous prêt. C'est notre point d'entrée. Ça fait une sacrée distance. Damoclès à Thalassa, répondez. Si Thalassa perd contre le tyran des ruches... Alors notre petite excursion n'aura servi à rien.
rester avec le bataillon principal. Pourquoi rester dans l'obscurité quand la gloire nous attend, hein, sergent? Nos frères meurent pendant que nous nous faufilons comme des voleurs. Il faut délivrer ce message ou il y aura un massacre. Le lieutenant l'a dit lui-même. Il y a de la tromperie à l'œuvre. Si vous avez quelque chose à dire, sergent. Il est. Voilà. Bon combat, soldats. Formez une ligne défensive sur la brèche. Très bien, monseigneur. Renforcez la brèche. Ah putain, je suis con. Rechargement en cours. Thank you.
ça, au rapport. Le vieux Xeno, ce... Nalassa, nous avons été coupés, répétez. Nalassa! Donc sur nos trois objectifs, aucun n'a été rempli. On ne peut plus reculer. Être les coups, lui. Hop là.
décharger. L'empereur nous protège. Déploie une menace crack. Recharge. Ravitaillement en cours. Nouveau chargeur. Des ruches contrôlait ses sous-fifres par liaison synaptique. L'agitation dans les rangs ennemis ne peut vouloir dire qu'une chose. Le tyran des ruches est mort. Moclès, si vous m'entendez, nous avons eu ces enflures. Excellent. Allô ? Putain, il s'est passé quoi là ? Bon travail, mon frère. Un contact avec Thalassa ? Thalassa pour Damoclès. Le Xéno a cessé de contaminer notre monde. Lieutenant Titus au relais. Zone sécurisée. Ouvrez les portes. Allons-y. Let's go. Bah alors, tu dis plus rien, Gadriel ? Au fond, on va. Bon combat, mes frères. Je veillerai à ce que le capitaine apprenne vos exploits. Je n'ai pas besoin de médailles. Vous en êtes sûr ? Suffit ! Lieutenant, une fois cette mission terminée,
Je souhaite être transféré dans une autre escouade. Je transmettrai votre demande au capitaine. Un petit connard. Au moins, Kairon, il me laisse pas tomber. Fils de pute. Vous n'avez rien à faire là. J'ai un message pour Marneus Kaldar. Je ne peux pas vous aider. C'est urgent. En plus de l'ombre projetée dans le warp par les tyrannides, les forces démoniaques peuvent désormais s'en prendre à quiconque ouvre son esprit au warp. Vous fuyez votre devoir. Pour votre gouverne. Donnez-moi votre message. J'ai compris. Nous pouvons commencer. Madame, je me dois de protester. C'est trop dangereux. Silence. Il n'y a aucune garantie. Qu'est-ce qu'elle fait, la bougue ? Qu'avez-vous fait ? Je
Voilà. Comme vous dansez gracieusement. Oh, putain, le flow qu'il a. Oh merde. Merde.
Il est chiant avec ce truc là. Aucune idée. Lieutenant Titus, répondez. Ici Titus. Des forces du chaos ont été détectées dans le système. Ils veulent s'emparer d'Aurora. Nous partons immédiatement pour Demerium. Comment vous l'avez su? J'étais sur Calf quand les Warbearers sont attaqués. Je sais reconnaître la marque du chaos. On retourne à la barge de bataille. Je comprends vos actes. Mais vos doutes s'arrêtent ici. C'est compris? Oui, chef. Allez. Mes frères, voici Aurora. Ces dernières heures, des forces renégates ont débarqué par centaines et réquisitionné les lieux. Réquisitionné? Où est l'Euse? À l'intérieur. Ils ont l'installation. L'Euse est la source d'énergie. Sainte Terra. Vous aviez peut-être raison, Titus. Quel est notre plan? On a déployé toutes nos forces disponibles sur Demerium, mais on est loin d'être au complet. On prépare un assaut, mais il a peu de chances d'aboutir, sauf si on s'occupe de ça. Ils s'en servent pour appeler des renforts. Chaque fois qu'on en tue un, deux autres le remplacent. Elle est très surveillée. Je vais avoir besoin d'une escouade de 5 hommes. Je vous en accorde 3. Autre chose. L'ennemi tire apparemment sa force de cette structure. Qu'est-ce que c'est? Nous l'ignorons. Toutes nos tentatives pour l'abattre ont échoué. Votre escouade est réputée pour ses approches non conventionnelles. Des idées? J'ai lu que Demerium est un monde sépulcral. Il y a 4000 ans, les Ultramarines et les Hérétiques se sont battus. Le sort de Atreus. Une barge de bataille qu'ils ont démolie a été inhumée ici. Et alors? Selon les registres, sa coque était irrécupérable, mais ses moteurs encore ronflants quand on l'a enseveli. À défaut de voler, elle pourrait faire bélier. C'est pour le moins ambitieux. Nous devons essayer. Alors allez-y. Les systèmes de navigation doivent être morts. L'échec n'est pas permis. Il a raison. Il va falloir se rapprocher de la cible et placer une balise. On lance l'attaque dans 90 minutes. Que l'Empereur vous guide, mes frères. Vous aussi, chef. Lieutenant Titus. Rejoignez-moi sur le pont d'équipage immédiatement. À vos ordres, chaplain. Assurez-vous que les frères Kairon et Gadriel soient présents.
utiliser une ancienne barge de bataille comme bélier. Voilà une approche peu orthodoxe. Vous désapprouvez ? Au contraire, c'est une brillante idée. J'y souscris à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur ? Parce que ça va vous monter à la tête. Titus, je m'inquiète d'un rapport que j'ai reçu de l'Astra Telepatica. Une accusation d'hérésie. Sa voix a été imitée par un... Laissez le lieutenant répondre. Le Psyker était possédé. Votre sergent croyait l'inverse. Je me suis trompé. Vous avez pourtant tenté de neutraliser votre lieutenant. Et je remercie l'Empereur d'avoir échoué. Sauf que maintenant... Le seul individu capable d'atteindre le Seigneur Khalgar est mort. Et c'est de votre fait. Tous, je vous tiendrai à l'œil. Si jamais je soupçonne la moindre once de corruption, je n'hésiterai pas, comme vous l'avez fait. Hors de ma vue. Le chaplain. Mon frère, les propos formulés par le chaplain. C'est l'heure d'y aller. On a du monde ici. Oh. L'ennemi a amassé la plus grosse partie de ses forces dans le bassin de Numérion. Thalassa a la valise du Warp. Feridian espère un miracle. Le reste d'entre nous va se charger de dégager les reliquaires autour du bassin et d'établir une tête de pont. Nous faisons face à un nombre accablant d'ennemis sur Demerium. Mais les immondes hérétiques là-dessous ont attisé la colère de la deuxième compagnie. Nous allons infliger aux traîtres une agonie telle qu'ils n'en ont pas connue depuis Prospero en flammes. Lieutenant Titus, puisse l'Omnimessie vous faire don de ses bénédictions. Galéo! En théorie, l'armure Tacticus pourrait-elle supporter un largage suborbital? La gravisse est trop encombrante. Négatif. Trop dangereux. De denses champs de débris jalonnent l'itinéraire de vol. Mais en évitant les débris, pourrions-nous survivre à la descente? Calcul. Probabilité de survie égale à 62,4136. Inconcevable. Merci, Galéo. Mes frères, les mots de notre capitaine ne nécessitent pas d'autres fioritures. Je n'aborderai que les points d'ordre pratique. Les hérétiques feront usage d'une tromperie absolue. Vous serez assaillis de mensonges et d'illusions. La seule vérité que vous trouverez en bas, c'est votre soutien les uns envers les autres. Fiez-vous uniquement à vos frères et à vos instincts. Maintenant partez et réduisez nos ennemis en charpie. Pour l'Empereur! Pour l'Empereur! Ah mais en fait... Putain. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je reprendrai demain, on finira demain. Je pense que je peux finir la campagne demain. Hein. Il me reste quelques missions. Ce serait pas mal. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais reprendre peut-être vers 14-15h, je sais pas encore, peut-être un peu d'Elden Ring. Sur ce, bonne journée à tous, à la prochaine. Allez, ciao.